La Carbonite sera-t-elle la nouvelle porte d'entrée sur la ville de Bastia? Parmi les trois projets sur la table, deux se situent au sud de la ville. Celui du port de la Carbonite, porté depuis plus de 10 ans par la gauche de Paul Jacob, Émile Tsoukarelli, puis désormais François Tati, et le tout nouveau Portuno de Gilles Simeone, révélé seulement il y a quelques semaines. Voici le plan de masse, le seul document concret de ce projet que nous nous sommes procurés. Les nouveautés, 8 quais à bateaux contre 9 pour celui du port de la Carbonite, un choix dicté par la réduction du nombre de passagers, un bassin plus petit et déplacé de 300 mètres au nord vers la citadelle pour préserver la plage de la Rinelle. Un port qui se veut écologique avec un impact mesuré sur les herbiers de Posidonie et des travaux accessibles aux entreprises insulaires. Parmi les techniques donc qui seront l'objet des propositions, il y a à la place du béton qui était initialement prévu, des techniques de digues flottantes et notamment de digues sur pieux qui permettent une emprise très limitée et également un impact écologique extrêmement minime. Enfin, dernière hypothèse, l'agrandissement du site actuel via une digue flottante, mais cette option compte peu de soutien. Ce dossier d'un nouveau port à Bastia se traîne comme un serpent de mer. Déjà ici en 2004, le site de la Carbonite était évoqué pour accueillir l'ouvrage. Depuis, peu de choses. Une enquête publique a été menée en 2007, mais elle est désormais caduque. Lors de la session de l'Assemblée de Corse, l'exécutif proposera de lancer des études sur les trois projets, le coût total 1,4 million d'euros. Les élus territoriaux devront également acter un calendrier, choix définitif du projet en mai 2020, soit après les élections municipales. Enfin, peu importe le projet, il devrait voir le jour en 2025 ou 2026. Longtemps sujet de tension, la nécessité d'un nouveau port semble désormais recueillir un large consensus, de la classe politique aux acteurs maritimes.